Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un exercice pour renforcer les obliques en relation avec eh bien, le haut et le bas du corps. C'est un exercice qu'on fait ici en ce moment au studio, dans l'entraînement physique du samedi matin. C'est un bon exercice, c'est pour ça que je voudrais vous le présenter. Vous aurez besoin pour cet exercice, alors vous pouvez prendre juste un banc ou une chaise, et puis bien sûr un tapis. Faites cet exercice vraiment avec moi pour eh bien, sentir les bénéfices et les sensations. Avant de vous présenter cet exercice, avant qu'on le fasse ensemble, je me présente rapidement. Je suis fondateur du Programme 66 et de Roule sur la forme. Ce sont des programmes de sport en vidéo pour s'entraîner chez soi. C'est parti. Donc pour cet exercice, vous aurez besoin d'un banc, vous aurez besoin d'un tapis. Donc faites vraiment cet exercice avec moi. Alors moi, je vais venir placer une serviette sur le banc car j'ai un bord assez saillant qui coupe un petit peu. Donc pour que ce soit plus confortable au niveau du pied, au niveau de ma cheville, je place une serviette. Je vous invite également à faire de même. On vient se placer sur un coude, le coude bien sous l'épaule. Et on va venir placer un pied, une cheville sur le banc. L'autre jambe est derrière. Ici au studio, on fait 4 séries et après on change d'exercice. Nous, on va faire nos 4 séries ensemble. Donc, c'est vraiment un exercice que vous pouvez intégrer simplement dans votre entraînement actuel. Donc, le coude sous l'épaule, la jambe ici posée derrière. On prend appui sur le pied. On soulève les hanches. On vient placer les deux pieds, hop, l'un au-dessus de l'autre. On gaine. On vient avec la jambe du dessus toucher le genou, taper le pied devant, taper le pied derrière. Encore une fois, on touche le genou. On vient taper le pied devant, on vient taper le pied derrière, on tape ensuite les deux pieds ensemble, on repose le pied derrière et on contrôle la descente. Et on enchaîne tout de suite de l'autre côté. Moi, je vais tourner mon banc. De cette façon, je serai toujours face à vous. Vous changez de jambe. Donc, la cheville posée sur le banc, le coude bien sous l'épaule et le pied bien au sol. On soulève, hop, les hanches, on place les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Donc on vient toucher genou, on vient taper devant, on vient taper derrière, on vient retoucher le genou, on vient taper devant, on vient taper derrière, les deux pieds ensemble, on replace le pied au sol et on contrôle la descente. Hop. On change de côté, deuxième série. Hop. Donc on appuie sur le coude, hop, on place la jambe, fort, donc le pied derrière ici, ça va vous permettre de soulever vos hanches en toute sécurité, hop, de bien se placer, les deux pieds l'un contre l'autre, donc genou, tape devant, tape derrière, genou, tape devant, tape derrière, les deux pieds, on replace le pied derrière et on contrôle la descente, on change de côté, hop, tac. Donc, toujours on appuie sur le coude, hop, on place le pied, l'autre jambe derrière, soulevez les hanches, pied-pied, on gaine, genou, tape devant, tape derrière, genou, tape devant, tape derrière, pied-pied, on allonge la colonne, on replace le pied derrière et on contrôle, hop, la descente. Allez, troisième série, hop, je vais vous donner des petites options. Donc là, on tapait le genou 2 fois. Vous pouvez essayer de taper le genou 3 fois. En option, vous restez comme tout à l'heure sur 2 répétitions. Hop, donc on se passe bien. Hop, le pied derrière, bien en appui. On soulève les hanches. Pied-pied. Donc genou, tape devant, tape derrière. Genou, c'est le deuxième. Tape devant, tape derrière, troisième en option, genou, tape devant, tape derrière, sinon vous revenez pied-pied, hop, on soulève, on replace le pied derrière et on contrôle la descente. Allez, dernière fois, hop, ici, hop. Donc dernière fois pour notre troisième série, hop, le coude toujours sous l'épaule, on reste fort, on appuie sur le pied, on soulève les hanches, pied-pied. Hop, on gaine, genou, tape devant, tape derrière, genou, tape devant, tape derrière. Dernière fois, genou, tape devant, tape derrière, pied-pied, on gaine,
On replace le pied, ça vous permet de contrôler toujours la descente, d'accord, de protéger le dos. Quatrième, dernière série, toujours en option, on peut faire deux tapes genoux, trois tapes genoux ou quatre tapes genoux. Choisissez bien vos options. Donc, le coude, prenez le temps, hein, n'allez pas trop vite entre les séries ici, on a le temps de se placer. On soulève, pied-pied, donc genou. Tape, tape, genou, tape, tape. Troisième, c'est une option, hop, hop. Quatrième, restez fort au niveau du coude, tape, tape, pied, pied, on gaine, on sourit. Parfait, on replace le pied derrière et on redescend au contrôle. Hop, on a vraiment un bon travail au niveau des obliques, hop. En relation avec le haut et le bas du corps. C'est vraiment un exercice très intéressant. C'est un bon exercice de renforcement musculaire. Hop, on compte place. Hop, le pied. Fort au niveau du coude, d'accord. Vous soulevez déjà la poitrine. On ne s'affaisse pas, on ne se relâche pas sur l'épaule. Donc bien sûr, c'est un exercice ici, intermédiaire ou avancé. Ce n'est pas un exercice pour débutants, d'accord. Si vous reprenez une activité physique, ne commencez pas par cet exercice, d'accord. Faites-le si vous êtes déjà habitué, hop, à faire des exercices de renforcement au niveau du corps. On soulève les hanches, donc pied-pied, on soulève, genou, tape devant, tape derrière, genou, tape devant, tape derrière. Troisième, allez, hop, hop, toujours fort au niveau du coude. Tape, tape, pied, pied, on lève, on gaine, on replace le pied derrière et on redescend. Hop, parfait. On redresse. Très bien, super. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Vous avez une zone de commentaires juste ci-dessous. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice. Et puis, si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site internet. C'est Programme 66. Donc, Programme 66, on est vraiment sur des programmes orientés sur la perte de poids, le renforcement musculaire et la préparation physique. Donc, si vous voulez des entraînements et si vous voulez vous entraîner chez vous, eh bien, vous allez vraiment trouver votre bonheur dans mes programmes. En attendant, eh bien moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'entraînement, de nouveaux exercices et puis de nouveaux petits conseils. C'était Fabien G de Programme 66. Allez, ciao, ciao.